Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un site qui s'appelle Accessoires et Figurines. Alors c'est un site français qui fait tout ce qui est support pour console, vous allez voir, le salon, tout. Ils font pas mal de choses, vous allez voir, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Moi j'avais déjà commandé pour moi une plaque, en fin de compte, pour un support, et c'était franchement, il m'avait super bien fait, tout. En plus j'avais demandé le design et tout, avec le nom, tout. Alors là, on va vous montrer tout ce qui est console. Ils font toutes les consoles, même les vieilles consoles, vous voyez, les Atari Lynx, ils font les supports pour Game Boy, les DS, les PSP. Ce qui vient, c'est qu'ils mettent le nom de tout en dessous. Je vais vous montrer par un peu, ouais, on va montrer un exemple avec la PSP. Hop, ouais, PSP, PlayStation Portable. Par contre, vous pouvez le changer. Si vous voulez demander autre chose, vous pouvez demander autre chose dessus. Vous marquez votre nom, voilà, votre gamer. C'est vraiment pas mal. On voit même pour la PC Engine. Putain, une PC Engine portable, c'est plutôt rare. Pour tout ce qui est console, c'est pas mal aussi. Si vous êtes fan de console, que vous avez vieille console, vous voulez les garder, et que vous voulez mettre un support, vous pouvez mettre les noms avec, comme la Nintendo 64, ça c'est vraiment super. Le support, je trouve qu'il est vraiment très beau. Design, tout. En plus, c'est pas cher, le prix, vraiment pas cher, presque 8 euros, même pas. Hop, avec le petit coin, vous voyez, vous pouvez mettre avec le petit logo, le Pokémon. Ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire un petit design, vous voyez, si vous voulez marquer juste Nintendo 64 avec le logo, comment on peut faire? Attends, vous voyez, un petit exemple avec les Pokémon, il a mis là. Après, si vous voulez mettre Mario, vous voyez, des trucs comme ça, il n'y aura pas de problème. Vous avez juste à leur envoyer un message avec un email pour leur demander comment vous voulez faire, parce que vous pouvez changer, hein, carrément. Si vous voulez changer le design, tout, il y a toutes les consoles. Là, on voit même toutes les anciennes consoles. Voilà, qu'il y avait à l'époque, que j'ai eu même presque toutes. J'ai eu presque toutes, presque. Atari, là on voit, hop, alors celle-là par contre, je viens de dire, il y a le Mac, la C52 là. Là. Par contre, ça me dit rien du tout, cette console, il y a même le support sans. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le support, c'est pour la manette. Et j'avais montré, moi, le support pour la manette Xbox Series X. Voilà, moi j'avais pris pour la Xbox, parce que je crois qu'ils ont pas la Xbox Series X, j'avais pris Xbox normal, est-ce que je me trompe pas? Si, ils l'ont, si, ils l'ont. Je m'étais trompé, ils l'ont, c'est vrai. La Xbox Series X, voilà. Il y a marqué. Voilà, le design vraiment sympa. Je vous montrerai, moi, à la fin, avec la petite vidéo, comment je l'avais reçu, tout. Nickel. Pensez qu'il faut payer avec PayPal aussi. C'est une sécurité. Toujours bien de payer avec PayPal. Voilà. Pour la manette PS5, parce que je connais beaucoup qui avaient des PS5 quand même. Voilà. La PS5 aussi, ça fait super. Le design, ça fait super bien. En plus marqué PS5, tout, petit logo. Après, vous pouvez mettre d'autres logos, si vous voulez mettre d'autres logos dessus. Ils ont des accessoires de jeux vidéo, vous voyez, les anciennes manettes Nintendo, les cartouches, ça c'est pas mal aussi. La PC Engine, il y avait, j'ai vu tout à l'heure, il y avait aussi pour les petites cartouches Nintendo, les Game Boy. Ça c'est pas mal, parce que des fois on sait pas où les mettre, comme vous avez des petites cartouches comme ça, toujours bien d'avoir un support pour les mettre. Là, vous avez le support pour mettre tout ce qui est accessoires et figurines, par exemple de Star Wars, comme ça, les vaisseaux, voilà, Lego. Souvent vous avez, si vous avez vous êtes fan de support avec Lego, là vous avez les vaisseaux, vous pouvez les poser, les mettre sur un support, et en plus mettre le nom en dessous. Par exemple, le Falcon, on peut l'appeler, je sais pas comment il s'appelle, les vaisseaux. Voilà, là on va vous montrer un exemple, vous voyez, avec la petite plaque. Et par contre, vous pouvez mettre des plaques spéciales, hein, en gris et noir aussi, qui ressortent super bien. Ça, c'est pour les fans de Pokémon. Alors, les cartes Pokémon, tout ça, c'est super. Les cadres, voilà, si vous avez des méga cartes Pokémon, c'est bien toujours de montrer les cartes, au lieu de les laisser dans un placard, c'est toujours bien de les montrer. C'est mieux là, un support. En plus, vous pouvez mettre le nom, tout, c'est super. Les gants avec les Marvel, vous pouvez mettre, vous voyez, si vous avez par exemple un support Marvel, vous pouvez mettre autre chose, un sabre, n'importe. Pour leur demander n'importe quoi. Bon, là, c'est un peu plus cher, c'est un peu normal, parce que vu comment il est fait, quand même, le design est vraiment sympa, en noir, tout. Le casque, par exemple, si vous avez le casque de Batman, de Superman, ou de Spider-Man, voilà, vous pouvez mettre le nom en dessous. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. C'est vraiment un site que je cherchais depuis longtemps, je n'ai pas trouvé. Et ça aussi, c'est un truc qui est pas mal, c'est si vous avez des bandes dessinées, très rares, vous pouvez les faire comme ça. Avec le nom, tout, le numéroté, tout. Ça c'est vraiment pas mal aussi. En plus, pas trop cher. 25 euros. Hop, ils ont d'autres supports, les sabres laser, si vous avez des sabres laser. Et aussi, si vous cherchez une protection de cloche comme ça, en plastique, voilà, pas trop cher.
pouvez demander n'importe quelle taille. Ils font pas mal de tailles et tout. Les plaques, il y a des plaques comme ça, vous pouvez le faire. Voilà, comme ils ont fait la prochaine, ils marquent. C'est normal, là, ils montrent comment c'est. Moi, j'ai demandé des plaques comme ça parce que ça sert beaucoup. Voilà, pour faire votre nom, tout. Si vous voulez faire des vidéos, vous voulez m'en prouver que c'est vous, vous pouvez mettre des petites plaques comme ça. Tout. Moi, je vous conseille les meilleures plaques si vous avez des figurines, c'est ceux-là qui sont pas trop chers. Vous avez plusieurs tailles, c'est cela. Moi, j'en ai fait faire une. Ils m'ont mis un logo tout dessus que j'avais demandé avec la chaussure. J'avais fait pour une paire de sneakers, j'avais fait. Et franchement, ça donne super bien. Je crois que je l'avais montré même sur ma chaîne YouTube. Il y en a qui ont dû la voir, la plaque. Elle était vraiment super belle. Pas mal. Voilà, c'était pour vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à me laisser un petit like. Sur ce coup, je vous dis à plus. Ciao!